Oui. Mais enfin, tu vas quand même pas me dire que t'as le béguin pour Jojo. Et pourquoi pas? Ah non, 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 je n'ose pas y croire. Eh bien, lui au moins, figure-toi qu'il s'intéresse à moi. Il me respecte, il s'intéresse à ma personne, à ma culture. Oui, parfaitement. Arrête, tu vas me faire pleurer. Ouais. Enfin, écoute, essaye quand même d'être un petit peu moins provocante. Hein. Ouais, vas-y. Parce que tout à l'heure, là, quand je parlais de ta jupe, eh bien, figure-toi que je ne pensais pas du tout ce que je disais. Parce que, ouais, si ça continue... Eh bien, tu vas finir par plus en mettre du tout de jupe. Tu trouves que je suis trop provocante? Ouais, un petit peu, oui. Tu trouves que je suis trop provocante? Oui. Eh bien, on va arranger ça. Ah bah, enfin, Monique. Bah. Oui, aïe. Que je n'aime pas ça. Quand elle est comme ça, je dois m'attendre au pire. Enfin, allez, on verra ça demain. Mais tu m'as toujours pas raconté comment ça s'était passé ton accident. Ouais, bah écoute, il faut peut-être mieux que ce soit moi qui te raconte. Parce qu'en trois mois, on en a pour la nuit. Vas-y. En fait, le coco, il s'était emmanché à vouloir couper une branche à un chêne au bord de la rivière. Penses-tu? Il a coupé la branche sur laquelle il était assis. Alors, badaboum! Oh, faut quand même pas être malin, hein, Coco? Oh, alors là, Coco, pour être aussi étourdi, je suis sûr que tu devais certainement t'intéresser à autre chose qu'à couper ta branche. Non. Ouais, mais, hé, t'es sûr qu'il y avait personne dans la rivière? Hé, pourquoi tu dis ça, Nono? Eh ben, je dis ça tout simplement parce que, ben, pendant que Coco, il coupait sa branche, eh bien, Monique est en train de se baigner à poil dans la rivière. Non! Mais, ça y est, c'est parti, mon kiki! Mais, évidemment, c'est Monique! Oh, mon... Salut tout le monde! Ah, salut! Ah, tiens! Et bon, voilà, vous deux! Oh ben, mon coco! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Gustave! Coco est tombé d'un chêne en coupant une branche. Oh, au fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'après que tu vas fermer ton café le dimanche matin maintenant? Eh oui, c'est la mairie par un arrêté municipal. Eh bien, ils m'interdisent d'ouvrir mon café le dimanche matin entre 11h et 3h de l'après-midi. Oui! Ah, attention. Par contre, tous les jours de la semaine, je peux fermer plus tard le soir. D'accord. Mais ta poule, quoi? Elle va pas venir tous les soirs de la semaine quand même. Quoi, ma poule? D'abord, c'est pas ma poule. Ah, c'est pas ta poule. Et puis d'abord, elle doit partir, je pense, en fin de semaine, ses vacances vont se terminer. Oui. C'est mon... C'est Monique. Mais non, c'est mon... Allez, c'est reparti. Bonsoir, madame. Une chopine de rouge, Nono, et que ça saute. Mais, oui, mais on se connaît, madame? Je sais pas. Peut-être banque, oui. Peut-être banque, non. Bah, dites donc, les Jules, vous êtes pas très causants, soyez. Bon, dis donc, Nono, elle vient pas ce soir, la Monique? Ben, j'en sais rien. La Monique? Que ce stomoni, tout le monde en parle dans le pays. Quand qu'elle a de plus que moi, stomoni? Ah oh ben, tout, madame, hein? Tout, hein? Alors, comme ça, oui. Si je me baignais toute nue dans la rivière, est-ce que tu viendrais me zioter sur la branche que t'es en train de couper? Mais, mon petit doué. Alors, monsieur Tintin, d'après qu'elle s'habille avec des jupes qui raccourcissent au lavage... Eh,
madame, 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 là, vous perturbez ma clientèle, hein. Ah bon? Oui, oui, oui. T'es pas autant que la Monique, hein. Comment qu'a fait déjà la Monique? Ah, comment? Ah, madame, madame, arrêtez votre cinéma, vous êtes en train de faire fuir ma clientèle. Eh oui, là, attendez donc un petit peu. Dites-moi donc, la Monique, comment vous la préférez, la Monique? Comme ça? Mais, enfin, mais, bah... Comme ça? Normalement. Ben oui, c'est le choc, c'est ça qui m'a guéri. Et puis, hey, je suis tellement content de revoir notre Monique. Et puis, vous savez, l'autre fois, ouais. J'ai pas fait exprès de vous voir. C'était moi qui est arrivé le premier dans l'arbre. Alors, quand je vous ai vu arriver, j'ai pas fait de bruit pour pas vous faire peur. Puis après, je me suis cassé la figure. Bon. Ben oui. Coco, je sais que t'as beaucoup de retard à rattraper, mais laisse parler Monique. Dis-moi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Eh bien, c'est ça. Hier soir, vous m'avez dit que j'étais trop provocante. Alors, j'ai voulu essayer autre chose. C'est réussi. C'est d'une extrémité à l'autre. Mais c'est vrai que vous allez partir? Non. Vous en faites plus à Paris? Non. Mais... Je reste ici. Ouais. Ah bon? Je me plais bien dans ce village. Ah bon. Pourquoi que vous m'embaucheriez pas comme serveuse dans votre café? Elle a raison, hein? Elle a raison. Ah oui. Non, j'en ai pas tellement l'intention. Non. Bon, puisque mes affaires vont de mieux en mieux, j'ai de plus en plus de clients. On va peut-être pouvoir revoir la chose et je peux peut-être et éventuellement envisager de, de vous prendre, oui, comme serveuse. Bravo. Ça mérite de s'arroser. Ah oui. Allez, tournée générale, c'est toi qui paie. Allez.